Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, merci beaucoup de me donner la parole pour établir le compte-rendu de la réunion qui a été faite entre le projet SAMSEI et l'Académie nationale de chirurgie. Et je tiens à remercier l'Académie de nous avoir prêté ces locaux puisque le colloque a eu lieu ici. Donc, on a insisté sur la nécessité d'un programme pour baliser la formation pratique des chirurgiens, avec quelques exposés à titre d'exemple, notamment pour Poitiers, pour Nancy. Également, on a discuté avec le Collège de chirurgie générale, qui a défini un certain nombre d'objectifs dans la formation de leurs étudiants. On a également pu discuter de l'enquête nationale que nous avons faite, qui fait apparaître une certaine disparité en France au niveau de la formation pratique et au niveau de l'importance des plateaux techniques. Donc les mots-clés, c'est formation pratique avant la clinique, simulateur, évaluation des étudiants, évaluation de l'aptitude au métier de chirurgien, compagnonnage et disparité des plateaux techniques des écoles de chirurgie en fonction des villes et des régions. Ensuite, intégration des autres spécialités dans le parcours de la formation pratique. Il est clair que les facultés de médecine ont pour mission de former aux gestes techniques l'ensemble des spécialités et pas seulement les chirurgiens, et on s'aperçoit qu'il existe un certain nombre de spécialités qui sont un peu concurrentielles, il faut bien le dire, avec la chirurgie, comme la radiologie, la cardiologie, la gastro-entérologie, la rhumatologie, la dermatologie, où se développent des actes qui sont des gestes interventionnels, pas à proprement parler de la chirurgie ouverte, mais qui peuvent également, qui doivent être pris en compte. Alors, est-ce qu'on va laisser notre nom école de chirurgie à atelier de gestes? Ça a été également discuté. Formation et place de la formation du jeune chirurgien dans le cursus de l'internat. Il existe à l'évidence plusieurs outils, les substituts, des laparotraîneurs, des simulateurs basés sur le numérique, des modèles animaux, des pièces anatomiques. Tous ces modèles doivent être adaptés au niveau de l'étudiant et il n'y a pas de lieu, compte tenu de la difficulté d'utilisation des animaux, d'utiliser un animal vivant pour apprendre à un jeune chirurgien à faire des nœuds en laparoscopie. Il peut utiliser un laparotraîneur. Donc il faut utiliser les ressources et les modèles et avoir un programme avec des objectifs bien nets. Formation par la recherche pour les internes, donc ce sujet a également été invoqué, c'est très important. Il faut qu'on puisse, au niveau de nos facultés, offrir des plateaux techniques pour réaliser des modèles chirurgicaux, pour faire accomplir le cursus à nos étudiants, le master 2, la thèse, et puis offrir un environnement chirurgical pour éviter peut-être la dérive qu'on a eue ces derniers temps de faire des masters ou des thèses de biologie moléculaire à nos étudiants qui s'éloignent un petit peu de leurs aspirations et de la chirurgie. Comment mettre en œuvre ces formations dans les universités? Il faut avoir une stratégie locale pour pouvoir établir une formation pratique pour les étudiants d'une faculté. Trouver un coordonnateur, trouver des enseignants. Alors les universitaires sont relativement peu nombreux. Il faut trouver également et valoriser d'autres formateurs des non-universitaires, hospitaliers, et puis également dans le secteur libéral, il y a des praticiens de qualité qui ont la fibre enseignante et qui peuvent également participer à cet enseignement. Ensuite, trouver des locaux. On a discuté, alors ça dépend en fonction des qualités locales, de la présence éventuellement d'une école vétérinaire à proximité, mais le laboratoire d'anatomie, proximité du laboratoire d'anatomie est important, proximité d'une animalerie également important. Les écoles vétérinaires sont une alternative, mais qui prive éventuellement de la possibilité de laboratoire d'anatomie. En tout lieu, il faut que les locaux soient universitaires.
trouver un financement. Donc il faut que les universités financent, et jusqu'à présent, les universités ne financent pas la formation pratique des chirurgiens. Il y a peu d'universités dans lesquelles les inscriptions au DES de chirurgie vont réellement à la formation des chirurgiens. Également trouver des financements extra-universitaires, financements privés, collaboration avec le privé, également formation continue, qui est un mot fort, parce que les écoles de chirurgie doivent servir également à la formation continue. Faire cadrer la formation dans un contexte interrégional. Il est clair que toutes les villes de faculté ne pourront pas avoir le plateau technique, par exemple, qui a été décrit à Nancy avec la chirurgie robotique, et il faut prévoir peut-être de faire des modules spécialisés sur des plateaux techniques particuliers que l'on pourrait avoir au niveau interrégional, par exemple. Faire accepter aux coordonnateurs de programmes des programmes de formation de base. On a insisté beaucoup sur le rôle des doyens qu'il faut impliquer, parce que c'est aussi leur mission. Et puis également informer les présidents d'université, en particulier dans les universités où le président n'est pas un médecin, ce qui arrive relativement fréquemment en France. Ensuite, pour l'avenir, alors l'objectif qu'on peut avoir, c'est que l'Académie puisse coordonner un programme de formation pratique. À l'époque où le DES de chirurgie générale va disparaître, même s'il y a une filiarisation, il y aura besoin d'un tronc commun, il y aura besoin d'une formation de chirurgie générale. Et l'Académie de chirurgie est assez bien placée, puisqu'elle est multidisciplinaire par définition, pour pouvoir coordonner ce type d'action. Alors, quel enseignement ? Dans beaucoup de facultés, on fait des cours aux internes, aux jeunes internes, sur les gestes pratiques, les conduites à tenir en cas d'urgence. Je pense que nous, on serait plutôt pour faire une formation de pratique des gestes chirurgicaux, de la base de la chirurgie générale. Également, enseigner le savoir-faire non technique, formation à des situations de stress, d'annonce. Je fais référence à Jean Wipex, qui a développé à Lyon ce type de formation qui est extrêmement apprécié des internes, formation avec les internes de réanimation. Et puis évaluer les programmes. Et je pense que l'ambition qu'on pourrait avoir dans le futur, c'est de définir un groupe de travail qui comprendra obligatoirement le Collège de chirurgie générale pour essayer de fabriquer un module de formation de base à la chirurgie qui pourrait ensuite être proposée à la collectivité pour être enrichie, transformée, etc. Voilà, donc je voulais remercier encore l'Académie de chirurgie de nous avoir prêté ces locaux et je vous remercie de votre attention. Merci à Xavier Martin. Qui souhaite poser des questions ? Yves Chapuis. Micro. D'écouter il y a quelques semaines, peut-être un peu plus, notre collègue Pascal Frileux, qui venait ici nous faire part de l'inquiétude que nous éprouvions à Paris devant l'évolution de ce qu'on appelle l'école de chirurgie de Vermoulin, qui est une des plus anciennes, des plus efficaces des écoles de chirurgie, je crois que nous ayons connues. Laquelle école est par ailleurs en parallèle avec une école rue des Saints-Pères qui est sous le coup universitaire et qui se consacre tout particulièrement à la chirurgie robotique. Donc c'est une affaire, disons, purement parisienne. Mais c'est une réalité. Or, nous savons aujourd'hui, nous à Paris, que le Fermoulin est menacé par différentes restructurations prévues par l'administration de l'assistance publique, en particulier dans ce qui concerne l'Hôtel Dieu et son avenir, où effectivement on pourrait envisager transférer ces locaux, avec tout ce que ça comporte, car les locaux sont, comme nous l'a expliqué Pascal Frileux, remarquablement équipés, que la fréquentation aussi bien parisienne qu'internationale est élevée. Et dans le cadre de cette préoccupation qui est parisienne, car les situations, bien entendu, changent selon les universités,
Je trouve qu'il est très dommage, et je le dis franchement, que on traite ici, là, cette formation des chirurgiens d'une manière très théorique, très générale, sans s'appuyer sur des réalités et des problèmes qu'il faut absolument régler. Et pour ne rien vous cacher, tout en étant un fidèle de l'Académie de chirurgie, comme vous le savez, ne rêvons pas. Je me demande quand même si notre Académie a les ressources, les moyens, les possibilités d'intervenir d'une façon aussi forte que ce que vous espérez. En tout cas, je ne peux pas ne pas m'interroger et regretter que dans le cadre de ce travail, eh bien, la situation que je viens d'évoquer ne soit pas envisagée. Oui, le professeur Frileux était au colloque le 27 mars. D'autres commentaires ? Non. Georges, mention, et ensuite Irache Grangebach. Deux commentaires, mais d'abord je voudrais féliciter Jacques Beaulieu et Xavier Martin d'avoir eu cette initiative par rapport à un univers qui va s'ouvrir. Effectivement, la disparition de la discipline de chirurgie générale ne va pas être sans poser de problème à toutes les spécialités filiarisées. Alors ça c'est une chose, je pense que l'Académie de chirurgie a tout à fait sa place, puisqu'elle est vacante maintenant, pour définir le minimum que chaque spécialiste doit savoir avant de s'engager dans une spécialité chirurgicale. Nous avions convenu, dans le cadre du travail qu'on a fait sur les référentiels en partenariat avec Yves Matillon et avec tous les collèges de spécialité chirurgicale, du minimum, je pense que ça serait le moment de réactiver l'ensemble des disciplines au sein de la Fédération des collèges pour travailler avec l'Académie de chirurgie pour définir cette base minimale sur le principe des écoles de chirurgie. Et enfin, mon deuxième commentaire, Monsieur le Président, si vous le permettez, c'est pour vous dire que nous aurons le plaisir l'année prochaine de visiter une école de chirurgie que tu as citée, qui est l'école de chirurgie de Nancy, puisque Laurent Bressler a la gentillesse de nous inviter, et ce sera notre déplacement en province l'année prochaine, à visiter l'école de chirurgie de Nancy lors du mois de mai 2015. Merci, Monsieur le Président. Merci. Un commentaire ? Non. Irage ? Ben, je voudrais vous dire que j'étais très intéressé, c'est un sujet important. Le fait de dire est-ce que ça s'appelle l'école de chirurgie, l'atelier de pratique, centre d'entraînement, ce n'est pas uniquement pour des mots. Je crois qu'il y a une politique en dessous qui est importante et de savoir comment l'avance que les chirurgiens ont dans ce domaine va leur permettre de garder les leviers pour ce centre d'entraînement vis-à-vis des autres disciplines. Si on garde que c'est un centre de chirurgie et qu'il y a les chirurgiens et rien d'autre, à un moment donné ou l'autre, les cardiologues, les anesthésistes, ils vont faire quelque chose complètement à part. Moi, je pense qu'on a tout intérêt de faire de sorte qu'on amène tout le monde avec nous. Ça, je crois que vraiment, c'est important. Il y a la force, les chirurgiens resteront les leaders, les chirurgiens qui seront les meneurs, et à ce moment-là, je pense que la force de réunion nous donnera beaucoup plus de l'éclat vis-à-vis des doyens, vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas anodin de dire est-ce que c'est l'école de chirurgie, l'atelier, ou... c'est très important le mot que vous allez donner. Vous avez tout à fait raison, je pense qu'on a une avance, il faut la garder, il faut la prendre à notre avantage. François Richard. Oui, non, juste un mot, c'était pour rassurer Yves Chapuis. Je pense que c'est vrai que les moyens financiers de l'Académie de chirurgie ne sont pas forcément extraordinaires. Par contre, la réunion, et d'ailleurs je félicite Jacques et Xavier d'avoir organisé, parce qu'il y avait énormément de monde, et quasiment toutes les écoles de chirurgie, suivant l'ancienne dénomination, étaient présentes. L'expérience prouve qu'elles ont été créées comme ça, sans aucune coordination. Et une des difficultés actuellement qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune coordination. L'Académie de chirurgie, elle peut avoir ce rôle, et ce rôle est important. Et quand avec Daniel Jek et Henri Judet, on a été au ministère de la Santé dans le cadre de la proposition des lois, c'est une des premières choses auxquelles qu'on a évoqué, et qu'on a évoqué même en demandant qu'au niveau du ministère de la Santé, notamment pour tout ce qui est pratique et qui est typiquement de la santé, il puisse y avoir
une valorisation à discuter. Donc je crois que le rôle de l'Académie, et notamment par le biais des collèges et des réunions communes maintenant entre l'Académie et différentes sociétés savantes de chirurgie, c'est un rôle qui peut devenir, si on s'y implique fortement, vite très important, parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe actuellement. Au ministère, ils ne s'en occupent pas, dans les spécialités chirurgicales, s'occupent chacune de sa spécialité, et personne ne s'occupe de la chirurgie globalement. Donc, et je crois que là, on a un rôle très important. On est plusieurs à vouloir s'en occuper. Je remercie encore Jacques et Xavier d'apporter tout un tas d'éléments qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet-là. Merci. D'autres interventions ? Bon, je crois que c'est un sujet très important et qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ça pourrait faire partie des discussions en cours, et puisqu'il y aura de nouveaux éléments qui vont être à intégrer. Merci beaucoup pour